Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander 2. Et nous reprenons cette la dernière fois après avoir fait deux premières missions du chapitre 1 à la fin de l'Alliance. Nous avons la troisième mission avec la FTU qui s'intitule Frapper tant qu'il est froid. Vous voyez que j'ai terminé toutes les autres missions avant de figmer. En difficile, bien évidemment, je me suis entraîné. Dès que vous lancez le jeu, ça sera en normal. Et on peut y aller. Frapper tant qu'il est froid. La force d'invasion Cybran est en fuite. Les censeurs ont capté un certain nombre de tracteurs de masse Cybran opérant au large du détroit de Weddell, à proximité des plaines gelées. Vous devez explorer les îles du détroit et détruire ses extracteurs. Si vous rencontrez un moins de poche de résistance Cybran, prévenez le commandement avant d'attaquer l'ennemi. Donc, j'ai refait toute la campagne pour me préparer un peu aux missions. Et c'est très bien passé. Donc, ce que vous avez. Une personne a fait une judicieuse remarque. Peut-on empêcher un walkthrough étant donné que ne fait pas tous les objectifs cachés? Vous avez raison. Un walkthrough devrait être une solution à 100%, ce qui ne sera pas forcément le cas, parce que je. Tous les objectifs secrets, je ne les connais plus. Qu'on soit honnête. Donc, on va appeler ça plutôt un playthrough, et je pense que maintenant, je vais même faire que des playthroughs. Donc, toujours le plus possible, le plus intégralement possible. Quand je vais faire des walkthroughs, j'en ferai, mais ce sera vraiment un style particulier. J'espère que ça vous plaira. Comme ça, ainsi. Maddox, we've tracked the Cybran to a remote part of the Weddell Strait. Once you get a base up and running, I'll brief you on the specifics of this operation. Understood. Okay, listen up. We've picked up the signatures of some operational mass extractors near your current position. They aren't ours, so we think the Cybran has been using this area to stage his attacks. Use your engineers to take over all of the mass sites and put this guy out of business. Yes, sir. Donc on va attendre si pour enfin quoi qu'on peut déjà faire ça. Mes extracteurs coûtent un peu moins cher. Ici, on va ajouter tout de suite de l'énergie. Ouais. Deploy Tiger Shark submarines against the Cybran naval units. Merci, je suis au cran. Donc détruire des extracteurs en passer par une autre. Donc les commandeurs sont toujours amphibies, je préfère le dire tout de suite. Cependant, sur cette map, on voit ici une géologie particulière des maps navales maintenant. C'est quand on a une zone de basse profondeur où notre commandant peut aller, des zones de haute profondeur. Ici, on voit qu'il y a une faille là tout le long. On voit apparaître en noir. Enfin, un peu plus foncé que là, là c'est gris, là c'est noir. Et cette zone-là, notre commandant ne peut pas aller, donc ne peut pas traverser. Donc comment... Parce que lui, il est amphibie, mais pas en touchant la terre. Pas en dessous, en fait. Donc c'est la raison de pourquoi on ne peut pas faire ça. Comme toujours, on va... construire. Enfin, comme toujours. On va construire, là, nos installations militaires. On va construire deux installations navales. Comprendrez pourquoi deux. J'attendrai encore un peu d'avoir fait ces recherches là. Faut savoir qu'en solo, je répète encore une fois, en multi ou en escarmouche, les diminutions de coûts et de temps de construction est de 3% quand vous augmentez d'un niveau l'entraînement pour les structures. En solo, c'est 10%, ce qui est énorme. Donc, à force, on pourra facilement prendre plusieurs niveaux là-dedans. Par contre, les bonus là, c'est même 5, 10. Il y a uniquement ces bonus là qui changent. Pour les structures, au niveau de la réduction des coûts et du temps de construction. En solo, c'est ultra pratique parce que ça vous permet facilement de réduire vos coûts drastiquement et de faire rapidement énormément de choses en multi moins. Donc ici, on va raser cet extracteur. Ça peut surprendre, mais oui, je vais le prendre comme ça. Une installation navale alors. Nous avons des recherches, c'est développer le cuirassé Poséidon. Ici. Et après, il y a un objectif secret, c'est de construire l'Atlantis 2, qui est moche. Les Mastodon cruisers ont des fortes anti-air capabilities avec un long range missile launcher, making them deadly against air and stationary land targets. They're weak against other naval units. So support them with battleships or gunships. Use the assist command to assign one unit to travel with another. Ah, donc ça sera. This is useful when planning a combined forces assault. Donc ça sera une unité en fait anti-aérienne de base de votre flotte. Je sais pas quoi dire du design quoi. Quand on regarde les premières frégates, elles étaient tellement stylées.
Keep building those mass extractors. C'était tellement stylé, quoi, les premiers. Je sais pas si vous en souvenez, mais ça avait de la gueule, les frégates, quoi. Et là, maintenant. Taking out those extractors will cripple the chiphead's war effort. Moi, je suis déçu personnellement. Alors, je vais mettre ça sur cette île là. Mais vraiment, croyez-moi, c'est dommage. Hein. Et donc là, je vais attendre un peu, je vais arrêter de tirer des missiles, sinon je vais dégommer 3 extracteurs. Si j'ai gommé 4, en gros, la suite de la mission va s'activer, j'ai pas envie de ça. Ah bon, voilà. Ça peut vous surprendre, mais bon, j'essaie de maximiser l'espace utilisé sur cette île. Tac. Donc, missile tactique, défense anti-aérienne, tube lance torpille, centre d'espionnage, générateur de bouclier. Voilà tout ce qui est disponible dans cette usine-là, dans les usines navales. 5 améliorations. Généralement, pas si cher que ça. Même bouclier, c'est toujours ça. C'est toujours au même coût les améliorations, quels que soient les bâtiments, donc voilà. Et moi je vous conseille de les faire, que ça vous fait gagner en fait, dans le classement ça augmente de 1, et en même temps ça veut dire que ça diminue, vous aurez plus rapidement des réductions de coûts pour les navires. Et les navires sont ultra coûteux dans le jeu. Ouais, là je vais se faire ça. Du fait qu'ils sont ultra coûteux, ben, je conseille de faire ça comme ça. Et je vous rappelle que ces améliorations n'augmentent que les PV et les dégâts quand c'est sur les unités. Niveau d'entraînement. Et on a débloqué entièrement l'archétype naval. Donc les PV en haut pour arriver au Poséidon et à la génération. On peut augmenter leur puissance de feu et leur armement anti-missile tactique. Voilà. Leur coût et tout ce qui a un rapport avec le radar. Et après on peut faire Atlantis 2. Donc un porte-avions expérimental. Après ici c'est tout ce qui est entraînement. Plutôt intéressant. Ici on va Bon, ce qui est bien dans cette mission là c'est qu'on n'est pas pressé par le temps, donc il faut vraiment prendre le temps qu'il faut pour se déplacer. Je sais qu'il faut que ça grève. Vraiment prendre notre temps pour avancer. Ne vous sentez pas obligé d'aller vite. Prenez votre temps quand c'est nécessaire. Et c'est globalement c'est le problème de ce jeu, c'est que généralement on va prendre beaucoup de temps. En fait, je trouve que dans les anciens Supreme Commander, même si le développement de base était beaucoup plus intense, et généralement les late game arrivaient beaucoup plus tard. Very late game, hein, où on avait des grosses armées, etc. Je trouvais que le gameplay était beaucoup plus agressif et beaucoup plus efficace que celui-ci. Ici, on fait on peut dire des pseudos, mais quoi, voilà, donc généralement, on va partir sur beaucoup de tech en début de partie, on va partir sur énormément de navires et voilà. Enfin, soit tout dans l'armée, soit tout dans la tech. Et la tech, ben voilà. Avec la tech, t'as facilement beaucoup d'avance et c'est gagné. C'est bien. Hein. De toute façon, c'est le problème de ce jeu. Hein. De manière générale, c'est... De manière générale, dans ce jeu, je vous assure, j'ai fait beaucoup de classes à l'époque quand il était encore disponible. C'est simple. Vous rushez. Je faisais rien de plus, pour n'importe quelle faction, je rushais. Les Cybrons sont pas mal pour ça, parce que je trouve ils ont sur les maps terrestres, je trouve très fort, et sur les maps navales, ils ont certains bonus, améliorations qui permettent d'avoir au final de raser facilement son adversaire. Le F2 n'est pas si mal non plus aussi. En fait, toutes les factions passent plutôt bien, quoi. Mais en rush, vous voyez, je rush avec toutes les factions. Après voilà, c'est un jeu de stratégie, ils ont tellement voulu réduire la durée des parties, ben moi je peux vous dire que oui, c'est vrai que les durées des parties, moi ils ont été réduits. Hein.
Et bon, je trouve ça enlève le charme au jeu. Ce qui était bien avec le sous-tendu, c'est que voilà, ça faisait bataille épique, ça durait longtemps. C'était, on va dire, un peu l'âme de la licence, c'était ce qui est au fondement même de la licence. Et d'avoir supprimé tout ça, je regrette d'une certaine manière. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Selon moi, ils ont fait une grosse erreur et de toute façon, ils ont payé le prix fort, le studio n'existe plus. Entre les dissensions internes, etc., le studio n'existe plus. Vos questions ne se posent même plus. Mais voilà, c'est regrettable. C'est regrettable en gros de considérer que tout ce qu'on a fait avant n'avait aucune valeur. C'est. Il y a un autre jeu qui est dans le même souci, c'était pour. Enfin, mon point de vue, c'est. Dawn of War. Le 1 était excellent, enfin, les différents 1 qu'il y a eu. Le 2 a été. Je suis peut-être méchant, mais un fiasco de manière générale, que ce soit en multi, etc. La communauté de joueurs était bien moins présente que sur l'un. Le 3, bon, ils ont prévu de faire un 3, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Mais le bon point, c'est que pour le 3, ils ont compris leur erreur, ils ont mélangé les deux. Ils ont compris que le système de combat du 2 plaisait, mais c'était en fait l'âme du jeu qui avait une construction de base air, parce que c'était à base, c'était un stair, le jeu n'existait plus, donc c'est pas un problème. C'est comme là, l'âme de Supreme Commander, c'était. Les batailles de grande ampleur, c'était les troupes nombreuses, c'était on combattait partout, on produisait énormément, c'était le flux tendu, c'était des batailles longues, épiques, épuisantes, éprouvantes, mais c'était ça le jeu. Et la grande différence entre les deux, c'est que Relic ne fait pas ça que comme jeu, ils en font plusieurs qui marchent. Ils ont fait un jeu qui a pas très bien marché, mais ils en ont d'autres qui ont marché. Ils se donnent une nouvelle chance pour faire encore mieux que ce qu'ils avaient fait. Donc, ils font notre Relic fait notamment Company of Heroes, pour ceux qui se posent la question. Autre jeu que vous pouvez voir régulièrement sur ma chaîne. Donc voilà, vous voyez un autre jeu. Qui a d'ailleurs été un. Ce Company of Heroes 2, ça a été par rapport au 1, tous les vieux comme moi de la vieille. On était d'accord, c'était. The Poseidon is now available for construction at your naval factory. Génial. Or, de base, il coûte 450, le fait que j'ai diminué de 5%, ça coûte plus que. Enfin, ça coûte 900 pour 2, donc 450 pour 1, et 1500 d'énergie. L'énergie, comme je vous ai toujours dit, ça coûte. C'est jamais un problème. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, ici, on va améliorer tout ça. On va attendre un peu pour pouvoir construire, quoique. L'avantage du sous-marin, c'est que ça consomme pas beaucoup de ressources pour faire beaucoup. Mais on a besoin de frégates. On aura besoin de beaucoup d'anti-aériens, donc on aura besoin de frégates. Alors, l'Atlantis, je vais spoiler un peu, parce que de toute façon je vais le construire, mais je vais vous expliquer un peu les changements par rapport à l'ancien. L'Atlantis a perdu toutes ses facultés anti-aériennes pour des canons navals. Et un design de merde. Je suis clair, direct, méchant, mais c'est la vérité. Quand vous verrez la tête de l'Atlantis, vous me direz que c'est pas possible. De toute façon, tout jeu est comme ça. Hein, c'est. Je demande à mon armée de pas trop tirer. Donc. On voit, ils ont deux canons ici. Je crois pas qu'il y ait de torpilles en plus. Ils fabriquent par contre des unités à un prix bien moins que dans les voyez, 50, 100, 115. Les 738 pour un peu plus long. Mais ça coûte bien moins cher. Et de ce fait là, je trouve que c'est bien mieux. Je préfère prendre un peu plus de temps pour produire et que ça coûte bien moins cher sur ce jeu qu'avant. Avant, ce qui était intéressant quand on était dans le système fut tendu, c'était de construire le plus rapidement possible. Les unités, là, c'est plutôt vos airs cherchés de construire plutôt le truc le plus optimisé au niveau du coût. D'ailleurs, plus arrière, ils vont construire dur 25 mètres des océans, c'était le succès. Je suis désolé, vous trouvez ça beau, vous? Regardez dans le 1 quand je faisais des Atlantis. Enfin, Supreme Commander 1 ou Frangot Alliance. Je crois que je n'ai fait que dans Supreme Commander 1. Avec la FTU,
Ça ressemble à quelque chose, quoi. Vous pouvez pas me dire que c'est un bateau de guerre, ça. Un porte-avions, ça ressemble à rien, quoi. Par contre, c'est vrai que je peux dire un truc. C'est sûr qu'on dirait que ça fait vieillot. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas un navire de guerre, quoi. Je suis peut-être une personne de l'ancienne école. Trop de l'ancienne école, c'est vrai. Mais quand vous aviez un bon jeu, que... Si le cartoon n'est pas adapté à un Supreme Commander. J'appelle ça style cartoon, moi. Ça peut surprendre, mais voilà. C'est comme ça que j'appelle ce style-là. Tant pis s'ils détruisent le bâtiment. Bon, je veux qu'il dégomme la recherche. Maddox, use that battleship to shell land installations or other naval units. Youhou! Voilà, 3 de technologie en plus. Alors, on va montrer les améliorations. 2 fois plus de canons maintenant. Et un système anti-tactique maintenant. Surtout les navires. Ouais. Donc maintenant. Atlantis, lui va. C'est bon, c'est fini, hein, autant se dire. Donc les frégates sont là pour en route. You got Cybran boats in the area. Stay on your toes. En gros, les frégates seront là pour le soutien anti-aérien. Et les cuirassés seront là pour le manœuvre. Mass deposits for now. We're detecting more activity in your area. I'm being hailed. This is Commander Dominic Maddox of the Coalition, of the UEF. Power down your ACU immediately. Hi, Dominic. My name is William Gage. I am afraid that I will be unable to comply with your order, for I am on a tight schedule and appear to be having problems with my supply of mass. Maddox, cut off all contact with a chiphead. You are authorized to freely engage the target. Show him no mercy. Those renegade gunships are protecting the mouth of the bay. Clear them out before they take out your entire army. Understood. Whoa! Colonel, the Cybran has something big in the water. Our weapons database says it's some kind of experimental submarine. Hit it hard with your own subs. It'll take a combined naval and air assault to handle those gunships. Ça va être construit aussi, donc là c'est fini. Là, voilà. Donc mes cuirassés sont construits. Voilà, mon entier est assuré par mes frégates. Non, ça touche pas ça. Donc mon commandant va aller en première ligne. Structure, on va améliorer les PV. Alors, récupérer les carcasses de navires est très intéressant du fait du coût assez important des navires. Donc beaucoup de masse que vous pouvez récupérer dedans. Donc n'hésitez surtout pas. Non, les cuirassés, Poséidon. Putain, en plus ils ont un bon nom, quoi, mais. Enfin bon, vous avez compris ce que je pense du jeu. Ça sert à rien que j'en rajoute plus, quoi. Vous voyez. De toute façon, c'est. Comptez vous présenter, c'est pas un problème. Faut pas de toute façon être satisfait de tous les choix. That will shut down the Cybran's production in this sector. We're detecting more activity in your area. Pas grave, c'est pas grave.
Donc ici, on va construire quelques boucliers. N'hésitez pas à bourrer les boucliers, hein, ils sont tellement plus faibles qu'avant. Le bon point par contre, le problème c'est qu'il y a des bonnes idées et des mauvaises idées. Maintenant les boucliers, si vous beaucoup de tirs arrivent au même endroit, le bouclier va être percé. Explication, les concentrations de tirs ne peuvent plus t'arrêter par le bouclier, donc son énergie. Il y a une petite faille momentanée, provisoirement, j'arrive pas trop à le mot. Mais il y en a une. A savoir que les autres factions servent des chasseurs équilibrés, hein, chasseurs bombardiers. Cependant, un chasseur sera toujours plus efficace qu'un chasseur bombardier. Parce qu'il n'aura qu'un seul rôle, il sera dédié uniquement à ce rôle. Aussi, vous continuez à spammer avec vos frégates les missiles de longue portée. Et je vais même mettre un radar en plus. Voilà. Alors votre commandant de base, normalement il arrive avec aucune amélioration aussi, mais dans les campagnes, il vous donne accès déjà à l'anti-aérien, quel que soit le commandant dans les campagnes. Ce qui est très agréable de leur part et très gentil de leur part, mais bon. Ce qui dénature un peu le jeu parce que ça enlève, ben, techniquement, le commandant devrait être... La campagne est peut-être trop différente de ce qu'est le multi. C'est peut-être un des reproches qu'on pourrait faire au jeu. Enfin bon. Par contre, oui. Une fois que vous avez amélioré à fond vos usines aériennes, de façon grade 5, je pense que c'est quand même plus rentable de construire là-dedans que là-dedans. Attention. Vous les construirez tellement plus rapidement que ça serait une aberration de faire... de les construire dans un Atlantis. Voilà, ici on avance. C'est pas bon. Ici il y a que des canonnières, donc mes chasseurs maintenant vont pouvoir s'en amuser tranquillement. Bon, il y a quelques chasseurs bombardiers, mais globalement avec des canonnières. Alors en difficile, il faut savoir que toutes leurs unités ont des améliorations, hein. Ils ont plus de PV, etc. Donc c'est juste ça. Après, l'IA plus intelligente, non, c'est... Ne croyez pas ça. Et un sous-marin expérimental qui est pas si fort que ça, je trouve. Enfin, après, avis personnel. What have you heard about the invasion? Just rumors. Oh, I love rumors. Donc mon aviation fait son travail, vous voyez, ils sont en train de neutraliser une grande partie. Kraken, quand il est au-dessus de l'eau, a 8 lasers, si je ne me trompe pas. Il peut attaquer donc plusieurs cibles avec ses 8 lasers. Cache, je sais pas ce que j'ai oublié. Ah, ça, j'aurais toutes les recherches comme ça. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié de faire ça en boucle. Et voilà. Donc, vous, normalement, vous voulez envoyer vos aviations et laissez-vous occuper de ça une fois que vous avez dégommé cette position là. Parce qu'il y a des de mémoire, c'est des positions anti-aériennes en fait. Donc ça évitera que vous soyez obligé en gros à les détruire. Bon, c'est surtout chiant à devoir supporter des positions antiaériennes. Disons qu'on voit qu'on peut traverser ça à pied, ce qui est dommage.
Un grand mot. Allez, on avance. Le Kraken a pris quand même pas mal de dégâts. J'avais pas assez. Je sais que je peux la battre uniquement avec des tirs surface. Voilà, il vient de faire surface là. This experimental is tough. It's taking a lot of damage. Stay on it. Vraiment, il a réussi à me mettre sous l'eau, donc mes tirs vont maintenant plus le toucher. Je vais bien être obligé de construire des sous-marins en fait. Alors les sous-marins par contre c'est excellent pour augmenter le nombre d'unités produites dans vos usines. Je vais perdre deux batteries. These are historic times, my friend. The beginning of the end of the coalition. Eh ben, il est un peu fou, ça. On voit les frégates. Alors donc, maintenant, l'avantage qu'on ait moins de navires, c'est que tous les navires maintenant sont indispensables pour les combats navals. Les cuirassés pour la puissance de feu brut, les sous-marins pour prendre discrètement les navires adverses, et enfin les croiseurs pour tout ce qui est défense antiaérienne, croiseurs, frégates, enfin, en fonction des factions, on change, mais ça reste le même. Voilà. Allez, on démolit tout ça, on a plein de masse. Et on va la battre. I have done a thousand dreadful things, as willingly as one would kill a fly. But nothing grieves me heartily indeed. I cannot do 10,000. We got megaliths. Lots of them. Take out those megaliths while we track Gage down. D'accord, des mégaliths, des prototypes, ok. Bon bah, vous avez ce qu'il reste à faire, hein. Bah, normalement avec tous les tirs qu'il y a eu là déjà des... Celui-là va être bon, on focus ce dernier. Normalement on devrait avoir assez de cuir assez progressivement vaincre tous ces mégalithes. Et la preuve que les prototypes sont pas forcément meilleurs. Hein. Megaliths are in pieces. Good work, Maddox. Now it's time for us to take things up a notch. Coleman is working on the Cybran problem, and now I'm putting together a team to fix things at New Cathedral. Fix things, sir? That Illuminant colony is a breeding ground for extremists that are committing terrorist acts against the UEF. Subdue the colony to send a strong message that this behavior will not be tolerated. Sir, my wife and son are there. We'll get them out of there, away from those Illuminant. Sir, my wife is Illuminant. What? Why didn't we know this? You're relieved of your command. We're recalling your ACU. I am unable to comply with that order. What do you think you're doing, son? There's nowhere for you to hide. We will hunt you down. Mais cela sera pour une prochaine fois, que maintenant nous sommes à Orgagua. Donc ça sera pour la mission 4, mais la mission 4 ça sera une prochaine fois, donc d'ici là portez-vous bien et à ciao tout le monde.